Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy 4. Allez, sans plus tarder, on était sorti de la tour de Babil, et cette fois-ci on doit aller se rendre tout simplement chez les nains, voir comment se passe leur petite attaque du coup, enfin en tout cas leur défense. Tac, hop, les sonneries ici, on va descendre là. Sauvegarder juste ici. Hop les. Allez. Allons voir ce qu'on nous raconte. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Alors, que nous dit le roi ? Oh, vous revoilà, je vous attendais. Avez-vous réussi à récupérer les cristaux ? Malheureusement, non. On est tombé dans un piège. Je vois, Golbez tente toujours d'obtenir le dernier cristal. Il essaye maintenant de forcer l'entrée de la grotte scellée. Je crains que ce ne soit qu'une question de temps. Pourriez-vous aller récupérer le cristal avant lui ? Lucas ! Oui, papa. Apporte-moi ton collier. Le voici. Ce collier est la clé de l'entrée de la grotte scellée. Sans lui, nul ne peut y pénétrer. Je vous en prie, protégez le dernier cristal. Nous ferons de notre mieux. Et on obtient le collier de Lucas. Alors, tac, on a sûrement quelques trucs à aller explorer. Hop, les. Pardonnez le petit bruit. Hop. Les pattes est un chouïa trop près et me gêne. Alors, du coup, pas du tout. On va aller chercher l'escalier qui est sur la gauche. L'auberge. Non, pardon, c'est là. Veuillez me pardonner. On doit peut-être pouvoir acheter des potions ici. Yes. Ok, on va juste appuyer. Ouais, parce qu'on en a pas mal quand même, des potions, des pavillons, y a remettre, c'est bon, ça on s'en fiche. Ok, bon. Hey! Oh, c'est déjà l'heure du dîner. La cuisine laisse vraiment à désirer ici. Si je dois avaler un autre... Sid, tu es vivant. Tu nous as fait une peur bleue, tu sais. Vous connaissez ce croulant? Croulant? Est-ce que ce jeune malotru m'a traité de croulant? C'est toi qui devrais me traiter avec plus de respect. Qui est ce petit morveux? Je suis Edge, le prince d'Eblana. Enchanté de faire ta connaissance, vieil homme. Malheureusement, il semblerait que la noblesse de son sang soit de loin supérieure à celle de son caractère. Et il ne faut surtout pas oublier ma beauté virile et mes spectaculaires talents de ninja. Arrête, Edge, cet homme est blessé. Ah, alors Rydia t'a déjà ensorcelé avec son joli minois, petit. Tais-toi. Qu'est-il arrivé à Golbez? Nous avons vaincu ces quatre seigneurs élémentaires, cependant, il ne lui manque plus qu'un seul cristal. Nous pourrions aller le récupérer avec l'Enterprise, mais elle est restée à la surface. Malheureusement, l'aéronef ennemi que nous avons capturé ne peut pas traverser le magma. On dirait que vous êtes dans le beau drap. Je crois que c'est à moi de jouer. Que feriez-vous sans moi, les enfants? Major Say s'est levé. Non, retournez vous coucher, du moins jusqu'à ce que vous soyez guéri. Les jeunes récupèrent toujours rapidement. Pas une minute à perdre, si vous voulez que je retourne me coucher, vous feriez mieux de venir m'aider. Allons l'aider. Il a l'air d'aller mieux, en effet. Impeccable. Et on donne des coups de marteau, le monsieur. Coup de marteau aussi là-dessus. Ah oui. Vous devriez pouvoir voler au bon vous semble désormais. Merci, Sid. Sid! Ah, il s'est endormi. On dirait qu'il est épuisé. Il se surmène toujours. Sid, merci pour tout.
Oh, qu'est-ce que c'est? Une lettre sous son oreiller. J'écris cette lettre au cas où le pire arriverait. Si vous la lisez, c'est que j'avais raison de m'inquiéter. N'oubliez pas de donner une bonne leçon à tous ces monstres de ma part. Faites-le aussi au nom de notre feu. Non, faites-le au nom des habitants du monde entier, même ces gens dont la nourriture est immangeable. Et dites à ma fille que son père ingrat est désolé de lui avoir causé tant de soucis. Affectueusement, Sid. Et on obtient la compétence bonus, examinée. Après, c'est les autres qui dorment. Avec un peu de repos, tu t'iras mieux. Allez. Ok. Il n'est pas en état de surmener ainsi. Ce vieil humain est un peu bougon, mais il a tout de même bon cœur. Ok, allez, c'est parti pour sortir du château. Alors, ensuite, on va aller à la forge. Il me semble que l'endroit, il faudrait aller dans la grotte qui est sûrement par là, j'imagine. Mais on va suivre la petite Solus qui nous permet. Forge de Cocol. Là, j'ai un remède. Bienvenue à la forge de Maître Cocol, le meilleur forgeron au monde, Lali. Là, il n'y a rien. Maître Cocol a perdu le goût de travailler. Il ne fait que dormir à longueur de journée, Lali. C'est pas là. Ça, c'est marrant, je vais pas le monsieur. Goutte de Soma. Ma vie de forgeron est terminée. Sans aide d'Amandine, comment forger notre épée? Et on l'a pas encore. On l'a pas encore. Donc ça, c'est pour les trésors. Et je devais avoir quelqu'un qui n'est pas apparu. Ça, c'est avoir quelqu'un ici. C'est pas grave. Allez, on va récupérer quelques trésors. Hop, de l'autre côté. Je pense qu'on va faire en fait une... Parce que là, il y a trésors, encore des trésors, encore des trésors. On va se retrouver pour Léviathan. Ok, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais chercher les différents trésors, parce que c'est pas intéressant de suivre les différents trajets. Et on se retrouvera devant... devant Feymart, apparemment. Pour Léviathan. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite, je fais une petite pause. Nous voilà de retour pour aller explorer la caverne des Sylphides. Alors, on nous dit que Rosa doit être 38 pour apprendre Flaute, qui doit être sûrement Lévitation. Les autres, nous mettons les pieds, Rosa. Là, Lévitation. Ah, dommage, il n'y a pas de... On n'a pas le petit truc. Ok, allez, hop. Je suis parti pour cette magnifique caverne. Ok, on l'évite tous. Marrant, ça. Ouh là, la laine fétide. Ok. Tout cool. On va continuer à attaquer le morbol. Continuer. Une guérison sur Cécile qu'il faut qu'on fasse. Ok, ça n'aime pas. Oh, pas mal. Alors. Et bon, j'imagine que tu vas pas faire grand chose. Allez, on dit que tu meurs. Wow, les morbols, ça a de la vie. Pas beaucoup de vie. On va bluffer. On va faire une magie blanche. Guérison sur Cécile. Nous, on va continuer à attaquer. Toi. Ah, t'as plus de précision par contre. C'est pas très grave parce que tu vas guérir. Ah, tu te sens mieux? Pas du tout apparemment. Ok.
je prends. Feu 3. Magie blanche, un bon gros soin 2 sur toi. Une prière. Ok. On va soigner Cécile. The lava and the floor can damage your party. Donc d'accord, donc ce soi-disant de la lave. Ok, rune nous parle d'équiper un truc sur Rosa. Bracelet runique. Apparemment le bracelet runique empêche... Donc voilà. On va le mettre pas, non. Bon, écoute, c'est comme ça, on va mettre que sur Rosa. C'est pas ça que je voulais faire. C'est de la magie. Cécile, tu vas t'auto-soigner, parce que je pense que personne n'a pris des damage à part toi. Ok, allez, on enchaîne. Des flèches d'ange et un bestiaire. Allez, les petits pourcentages, on peut descendre par là, ok. Ah là, il y a un petit morceau voilà, que j'avais pas. D'accord, ok. J'ai compris. Le 1 nous emmène ici. Faire le tour quand même. Ah là, par contre, je suis pas d'accord. On est plus en lévitation. Attends, l'auto. Ok. La prière qui passe. Donc ça il tout le monde ne s'aime pas. C'est bien en face, c'est pas très rapide. Ok, lui on le tue. Allez Rydia, allez Rydia, allez Rydia. Ok. Normalement tout ça, ça meurt. Même pas. Allez, tue-le parce que ça me fait peur. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que lui va... Ok. Il va faire des attaques de malade. Alors, on en est où? Tac, tac, tac. Il y a un butin. C'est pas mal, ça. Un baiser de fée. Et le niveau de Edge augmente. Lévitation, du coup. À chaque étage, quoi. Tac. Ici, on me dit de pas rentrer. Marrant, quand même. Pas grave. Écoutez. Ah bah, ça rate. Ah non, comme je l'évite, je peux pas les taper. Chantez, mes jolies sorcières du marais. Crapaud, allez. Crapaud. C'est bien, c'est cool, c'est que c'est... Et Cécile qui prend tout. Vive la provoque. Ok, ça a touché. Ok, full miss, c'était bizarre quand même. Allez, parfait. Ah non? What? C'est auto-transformé en crapaud, quoi. J'allais dire, faut la tuer, là. On fait 3000 quêtes parce qu'elle est en crapaud. Incroyable. Baiser de fée, niveau de Cécile augmente, c'est cool. Je vais le laisser en... On me fait triper. Tac. Ok, petit pourcent, c'est important. Donc là, on est passé là, on retourne du coup. Ah ouais, d'accord, je me disais aussi. Ah oui, il faut refaire l'évitation. Ouais, par contre, Cécile, ce que j'allais dire, tu vas prendre ta rifle, loulou.
tandis que Edge et Kane vont faire le travail. Mais rien n'est moins sûr. Si, 1003, vas-y Kane. Commotion. Tout le monde, j'imagine. Waouh. Allez, on va changer. Toile d'araignée, ce monsieur. 800, c'est tout. Ouais. Alors, on va devoir faire du rosa. Lévitation. Ça, par contre, c'est relou. Ça, par contre, c'est vraiment relou. Tu lévites à chaque étage. On va pouvoir sauvegarder ici. J'aurais dû sauvegarder sur le 2. Pas grave. Les pourcentages, attends. Parce que je peux monter ici. Voilà. Ok. Jusque là, c'est pas très grave. Si, si, ce qui est grave, c'est... c'est la commotion qui m'a explosé. Donc ça, on va gagner 150. 400, on avait gagné combien tout à l'heure? Magie, pardon. Rosa, non. Voilà. Cécile. Voilà. De toute façon, Rosa va prier. Ok. Petit passage secret. On va aller chercher le coffre qui est juste là. Un arc elfique. Ok. Contre-attaque va faire du bien déjà, one shot. Et Edge va one shot le deuxième. Bon, c'est plutôt simple ici. Mais ça peut faire mal. Hein. Tac, on va aller chercher du coup en face. Voilà. Il est direct. Lui, il est mort. La prière qui va pouvoir régénérer. Oh, enfin, 10 PM de Cécile, c'est pas fou. Ok, crapaud, crapaud. C'est pas très grave parce que Cécile va redevenir humain. Impeccable. Voilà. Kane! Pas grave, Média fera le café. Ah, on gagne 20 PM quand on est en grenouille. Ah oui, je pensais qu'il m'avait transformé en crapaud là. Un peu déçu. Bon, Kane, tu commences à me saouler. Elle va s'auto-transformer en crapaud. La prière a pas marché. Voilà, 3000. Et... Non. Merci. Les effets fait. Kane augmente. Force, rapidité. Okay. Bientôt 2000 pour Kane en point de vie. Magie sur toi. Tu as guérison, mais tu peux pas le faire. Ok. Pas grave, allez, full life. Full mana. Allez, on enchaîne. Tac, là, il y a un truc pour descendre, mais on va aller chercher deux petits coffres juste au-dessus. 1000 gils. Et un pavillon, rien de bien fou. Allez, un petit combat avant de sortir. Attaque surprise. La contre-attaque va le tuer, je pense. Voilà. Est-ce que sur une attaque surprise, ma position change? Non. Parfait. On va remettre la course. Ok, tout de suite. Magie. Rosa. Lévitation. Tout ciblé. Ok. Ça, c'est fait. Alors, ici, un petit pourcent gagné. Hop, encore 1%. Là, je suis où? Là, je suis là. 3 armes, ok. Pour 4, 5 et 1, ok. Wow.
Oh, petit coup critique. On va rester sur les prières, de toute façon, avec elle. L'objectif étant tout simplement de contenir, parce que si on fait une guérison, on va reprendre pareil. Voilà, est-ce qu'on peut contre-attaquer? Contre-attaque à combien? Contre-attaque à rater, donc on doit être en cécité. En cécité à nouveau. Tu meurs? Non. Ok, tu le tues. Merci. Le petit crapaud qui va bien. Quoi qu'il arrive, tout le monde est full life. Tout le monde est full mana. Qui est parfait. Oh, Kane. T'as l'allonge et t'arrives pas à le taper, quoi. Franchement, ça me gave. Ce type, il me gave. Bref. Rosa, Ridley augmente, pardon. On était un peu rapide là-dessus. Magie, Rosa. Guérison sur Cécile. Hop. On va aller, de toute façon, on va repasser par là. Magie, Rosa. C'est lourd comme gameplay. Hein. Bien de tenter des choses, mais heureusement que. En espérant qu'il ne s'est pas recommencé sur d'autres FF. Super potion, mais on n'a pas de place. Un éther. Ok. Une pomme d'argent. Pas quoi ça sert. Regarde. Une goutte de soma. Pomme d'or. Et un vent arctique. Ok. Dommage, Edge, il manque pas grand chose là. Je crois qu'ils ont mis le. Oh, on peut plus. Il me saoule. Pourtant, t'as allonge quoi, mec. T'es pas censé rater derrière quoi. Si tu l'avais pas fail, tu serais pas été un crapaud. Là. Ça seal. Tac. Allez, tu le termines. Rosa, la prière. Allez. Edge et Kane, normalement, c'est fini. Oui, bon, c'est pas avec ton 1 que tu as fait un grand chose, Cécile. Pas sûr, parce qu'après il a plus de 3000 points de vie quand même. Non, c'est bon. Allez, on va gagner combien? 4000, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, encore une fois, hop. Courage. Ici, on a fait le 100%. Tac, 4. Ensuite, on va remonter là-haut. Non, voilà. Magie, Rosa. Guérir, pop, lévitation, tout ciblé, sera la prochaine prière qui va tous les heal. On est à 23 minutes de vidéo, est-ce qu'on a bientôt fini? Telle est la question. Le 5, il y a quelque chose ici qui nous permet de, voilà, ici, hop, d'aller chercher encore un petit pourcentage. Alors. Ok, donc comme ça tout le monde est full heal. Allez Cécile. Non, c'était avant que ça chante, c'était trop lent. En deux parties. On va s'arrêter d'ici 5-6 minutes. Temps de faire une petite vidéo d'une demi-heure et on fera le reste de la cave dans l'autre vidéo. Dans la suite de la vidéo. Hop.
Ok, allez, attends, Kane. Ok, Rydia est passée à 300 de PM. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Normalement, la grenouille, elle meurt. Voilà. Dès que Cécile, tu le termines. Merci. Ok, alors. On en est où là? On va regarder où est-ce qu'on en était. Je redescends. Non, je vais chercher là. Hop. Voilà, qu'est-ce que c'est ici? Un mutisma. Mais c'est piégé. Pas un gros piège. Voilà, un kill. Toujours pas. Deux kills. Déjà? Il y a déjà un champ? Ok. Allez, Cécile. Voilà. Ainsi. Non, crapaud et recrapaud. Relou. Allez, la prière et le feu. Allez, fin du fight. Hop. Donc on a récupéré une mutisma qui nous permettra de mute les autres, mais j'imagine qu'avec... Attends. Ça se trouve. Hop. Dis-moi que c'est une vraie attaque et pas une attaque toute pourrave. Attaque 35. Ah, la précision 110, mais attaque 35. Pression 95. Oh, efficace contre les mages. Attaque 35, quoi. Pas, je perds beaucoup trop, je gagne en rapidité, en magie, en esprit. On va tenter. On va réellement tenter. Ah, peut-être pas, attends, peut-être que j'ai fait une grosse bêtise. Peut-être que j'ai fait une grosse bêtise. Efficace contre les géants, il est où? Il est là. Il peut prendre la mutisma qui va lui augmenter sa précision, sa rapidité et sa magie. Mais pas du tout son attaque. On s'en fiche, ça lui permettra. C'est par où la suite? C'était là, pardon, s'il vous plaît. Là, on descend. Ici, là où il y a quoi? Le 5, il est là. Hop. Tout de suite, magie Rosa. Lévitation. Hop. Alors, 5, on en est où? Il y a un gros trajet. Ok. D'accord, ça commence bien cet étage. Il y a du sommeil sur tout le monde en plus. Eh ben bravo. Ah ouais, donc d'accord. Donc c'est eux qui attaquent direct là. Je crois que ça fail aussi. Voilà, nickel. Ok, tout pour Rave. Oh là là, ils ont de la vie en butant, voilà. Et j'ai peur que Rydia les heal en plus. Allez, Kane fait dodo. Pas me permettre, on va arrêter le mode auto. Si je vois que ça les heal. Oh là là. Et ça va me silence Rydia. Non, c'est bon. Oh là là, ça silence tout le monde. Magie blanche. Guérison. Cécile. Genre Cécile, tu dors plus? T'es sérieux? J'ai lancé une... Tu vas attaquer... Ouais,
sans effet. Un feu de... Oh ! C'est horrible. Ah, sauf que si je mets un truc, ça va... Écoute, tu vas me faire une prière. Il est juste silence. 76 de précision. Ah ouais. Quand est-ce qu'il meurt, le moche, là ? On n'est pas bien en termes de vie, on n'est pas bien. Oh ! J'ai horreur de ce fight. Il est immonde. Il est immonde. Ok. Il y a combien de vie, là ? J'allais dire... Allez, c'est reparti. Tu sais quoi, tornade direct, Balek. Faille d'une demi-heure pour gagner 5000 d'XP. Super. Super. Bah au final, on va arrêter la vidéo ici. Malheureusement, je m'excuse. Mais parce que... hop. J'ai l'impression... Le temps d'arriver au bout, ça va être la galère. Donc ouais, on va faire une pause ici, on s'arrête là et on terminera cette grotte parce qu'on va devoir ressortir de la grotte et re-rentrer dans la grotte pour aller récupérer du coup... Waouh, en plus ça a l'air d'être costaud, donc ouais, je pense que c'est pas mal ce qu'on va faire là. Donc effectivement, voilà, on va s'arrêter ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour terminer cette grotte de Sylphide. Allez, sur ce... Je vous laisse et à bientôt. Salut, salut !